Voilà. On est où? On fait quoi? Je sais pas où on en est. Atteindre la compétence en guitare et violon. Ah oui, mais on n'avait pas acheté de guitare et de violon, Duduche. Écrire des blagues, s'entraîner à jouer de la musique. Heureusement que vous voyez pas ma tête à ce moment-ci, c'est magnifique, je pense. Comment ça se fait que ta performance est excellente et que tu as... Je comprends pas. Je cherche pas à comprendre. Écrire des blagues, nanana. T'es à quel âge toi maintenant? Je panique. Ah, Denis, il a quand même bien avancé, hein. 16 jours, il faut qu'on avance vite. Et nous, que ce qu'on a fait, évidemment, on n'a rien fait. Donc, dès demain, on achète ce qu'il faut. Hein. Si j'achète pas, je suis foutue. Alors, Denis, ça va pas, pourquoi? Qu'est-ce qui va pas encore chez toi? Mais ça va bien, pourquoi t'es mal à l'aise? Parce que... Courbature professionnelle? Oh, ça va, tu vas bien. Attends, tu travailles dans... 17h, mais tout va bien. Faut aussi qu'on achète un coffre. Complimenter la tenue, vas-y, on lui parle un petit peu. Parce qu'on a besoin de faire ça. True Bay Imta. Yibs. Il dirait bien pêcher Denis. Il dirait bien pêcher Denis. Voilà, regarde, va pêcher. T'as quoi dans ton inventaire? Oh, tu peux pas. Oh. Oh, il y a des choses. Ça ne va pas du tout. On commence bien, Denis. Toi et moi, on sait bien qu'on peut pas. Et tu peux pas pêcher, en fait. Non, tu peux pas pêcher parce que t'as ça, en fait. Ha! Ha! Donc, apparemment, selon Luigi, j'aurais pas le droit de réparer l'évier. Du coup, c'est encore plus hard que ce que je pensais. Voilà. Donc, je sais pas comment on va faire. Donc, ça, c'est les dernières pièces. Je ne peux pas réparer. Comment voulez-vous que je survive, moi? Je sais pas, là ça devient compliqué. Attends, Denis, tu fais ce que tu veux. Attends, non. Denis, tu fais pas ce que tu veux. Y a pas des pommiers à s'occuper là. Denis. Où sont les Denis? Donc on l'a déjà fait. Ça va être l'hiver demain. On a 30 pommes de réserve. C'est la fin du monde. Elle peut faire. Elle a quoi? Et si elle mettait toutes les pommes chez Denis? Ou mieux, Denis met toutes les pommes chez elle. Parce qu'elle est enceinte, on va pas rigoler. Et lui, il pêche. Il peut. Il peut aller pêcher, monsieur Denis, comme ça. C'est plus logique. Monsieur Denis va pêcher madame Penny. Penny, comment ça va? Moi, je sais pas, si tu me le dis pas, t'as faim. Bah, elle veut lire. Est-ce que je vais l'empêcher de lire si elle veut lire? Voilà, et là il y a une femme, je te jure, quand on cherche, il n'y en a pas. Et quand on cherche pas, ben il y en a. Il a l'air joyeux, il est heureux. Il est heureux parce qu'il va travailler, tu vois. Il n'aime pas travailler, Denis. Tu n'aimes pas travailler, Denis, je sais, c'est dur la vie. Alors, toi, ma petite snuche-nuche, qu'est-ce que tu... Non, regarde pas cet ordi. Ne regarde pas cet ordi. Mange des pommes, mange tes petites pommes. J'aimerais bien qu'elle aille travailler elle aussi, mais elle est enceinte. Donc c'est pas une bonne idée hein, du tout. Parce que j'aimerais bien débloquer des choses, moi. J'aimerais bien débloquer des choses. Yeah, yeah. Ah, Denis, il a pêché un poisson. Mais tu peux avoir qu'un seul poisson, Denis. Du coup, on va le mettre là. Je te présente la technique. De... Et tu peux continuer maintenant. C'est une technique. T'as faim, l'hygiène, bah lave-toi les mains encore une fois. Profite qu'on a un évier, faut-tu que je te dise. Bien si je le casse maintenant, c'est pas grave parce que demain je peux le réparer. Parce que je ne peux pas apparemment le réparer, c'est triste. Moi je croyais qu'on pouvait, je me suis dit bon. Ben non. Tout. Journée du jargon de pirate. Est-ce qu'on a le droit à faire ça? Denis, il va pas faire ça. Jargon de pirate. Penny, attends, on va voir si on peut pas faire le jargon de pirate. Y a-t-il quelqu'un? Quelqu'un qui n'est pas en voiture. Il y a même une personne qui est pas trop loin, de type féminin, de type gothique. Ado. Bien le bonjour, Moussaillon. Vas-y, on va faire la journée de pirate, Penny. Parce que nous, on est des pirates.
Je sais pas si c'est très sécurisant d'être une femme enceinte et de se balader en apocalypse. Bon, peut-être tu parlais de pirates. Complimenter la fière allure. Échanger d'histoire de pirates. J'adore cette tenue. J'adore cette tenue. Peut-être pas piquer un papillon, mais... Fais pas l'ordi, hein, toi. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Attends, mais elle lit. C'est bon, on te parle. Partager le même quai. Attends. Faut pas le livre dans le feu, hein. Je te connais, toi. Des ragots. Ok. Oh putain. On est des pirates de l'apocalypse. Wamberg. Maisie Grove, Crabow. Maisie Grove, Crabow. C'est la chanson du pirate. La chanson du pirate. Toi, je lirai. Une fois que Denis aura fini ce poisson-là, son inventaire sera vide. Je mettrai les pommes dans l'inventaire de Denis. Tu mettras le poisson dans l'inventaire pour manger du poisson. T'as compris? C'est très logique. C'est tout à fait normal. Ça va aller, Denis. Le social, ça va, Denis. Denis, ça va. La vie, ça va. Imhotep. Ouh, tu m'énerves. Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas repêcher ton poisson perdu. Moi, je vais vite m'énerver avec des gens comme toi. Allez, tu vas pêcher toi-même ton poisson maintenant. C'est bon. Denis, il a pêché pour rien. Ça me saoule. Voilà. J'ai plus pêché pour toi. Tu vas te débrouiller toute seule. Ça va, Denis. Lui, il est content de tout et de rien. C'est bon le poisson? C'est bon le poisson? Ouais, c'est bon le poisson. Un baby. Non, pas de poisson, Penny. Pas de l'espoir. Si tu veux manger, il faut pêcher. Denis, il peut pas tout faire à ta place. Hein, dans... Qu'est-ce que je vais faire pendant 7 heures, moi? Je sais pas. Dormir. On dirait que les poissons sont trop malins pour Penny. Ou Penny est trop bête pour les poissons. Et tout va bien. Tout va très bien. Madame la marquise. Cela n'est rien. Cela n'est rien. Ben non, on peut pas sortir. Pourtant, il faut que je vous dise qu'on déplore un tout petit rien. C'était un poisson qui a mal grillé et qui a fait flamber la maison. Mais à part ça, madame la marquise, cela n'est rien, cela n'est rien. Il l'a cassé, on peut pas le réparer. Magnifique. Je ne sais plus bricoler, Denis, c'est pas vrai. Alors, elle... Mais Vloggy. Elle a faim. Qu'est-ce qu'on peut lui faire à elle? Que dalle. On ne peut lui faire que dalle. Tu as quoi sur toi? T'as rien, c'est Denis qui a les pommes. Du coup, tu peux aller pêcher. Penny, elle va pêcher. Allez, Penny. Cette fois-ci, les poissons... C'est beaucoup trop beau. Ils ne t'auront pas. C'est beaucoup trop beau. J'adore ce truc. Une foule agréable. Denis savait bien que ce n'est pas une bonne idée de commencer son spectacle d'humour aussi tard. Le public commence à chahuter. Il perd vite le contrôle de la situation. Il peut crier pour attirer son attention ou abandonner et se taire. On leur hurle dessus, évidemment. Et on gagne un peu d'argent. Alors, à la prochaine facture, il faudra que je retire l'argent. Ce que, évidemment, j'ai oublié. Mais... Non, oublié. Alors, Penny a attrapé un poisson. Hop, c'est magique, il arrive sur la table. Tout à fait magique, tout à fait normal. En fait, elle les lance à travers la porte. Il n'y a aucun souci. Alors, mon Denis, combien de temps encore au travail? Oh là là, c'est long d'attendre que tu reviennes du travail. Là-bas, il y a quelqu'un qui parle de voiture. Je suis curieuse, on va voir c'est qui parle là-bas. Bonjour! J'ai une longue vue pour voir jusqu'ici. Victor Feng qui parle avec Billy Jung. Dag. Ok, parle le jeu vidéo. Eux tranquilles, leur vie, dans les ruines.
Pas de soucis, ça devient une poissonnerie ici. Tout va bien. Allez, Penny, encore un. Même deux, allez. Je sais pas où vous trouvez le citron, là. Parce qu'on n'a pas de citron. Moi, je dis ça, je dis rien. C'est étrange. On va dire que c'est une rondelle de pomme. Alors, Denis Chouchou, tu reviens bientôt, toi? 23h, il est 22h. Un petit peu. Il est samedi 23h. Le temps qu'on arrive, on va pouvoir réparer. 23h, 23. 23h, 24, 25, 26, 27, 28. On va arrêter là. Sinon, je vais commencer à m'énerver moi-même. Allez, Denis, t'es prêt? T'es prêt? Bientôt, 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 bientôt. Et toi, t'as pas quelque chose à faire aussi? Ouais, aux toilettes. Bah oui, mais tu peux aller aux toilettes devant lui, y'a pas de soucis. Elle fait pipi devant moi. Ça ne va plus du tout. Il me regarde en train de faire pipi. Ça ne va plus du tout. Il n'y a plus rien qui va. Kiranga. Ok. Je te laisse faire ta vie. Allez. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Réparer. Réparer. Tu peux réparer. Alors, tu peux réparer et on peut acheter des choses. Et tant qu'on a l'argent, on va le faire. Alors, il me faut un violon. On va mettre les deux instruments. On va mettre des instruments. Je sais plus ce que je dois savoir jouer, mais on va mettre des instruments pour Denis. Instrument, instrument. Où est-ce que j'ai trouvé cette connerie? Violon. Violon. Violon et... On va mettre une petite guitare, comme ça on est sûr. Est-ce que ça va pas bugger si je mets ça comme ça? Je ne sais pas. Alors ça c'est pas mal. Est-ce qu'on a le droit d'avoir le microphone? Je vais le mettre là. Pour raconter des blagues, ce sera pas mal. Alors les bambins, j'ai rien prévu. Si on a un bébé et qu'il devient bambin et qu'on a rien, on est foutu aussi. Ça c'est pas pour ça. Alors, on va mettre un petit lit. Là, de type 1 lit. Ok. On va mettre un pot. C'est pas un pot du coup. Bleu, ça ira très bien. Et si on a des jouets? Je pense qu'il faudrait une chaise. Est-ce qu'on a le droit d'avoir une chaise et de dire à manger sur la chaise? Pas très sûr. Je sais pas. Je sais pas ce qu'on peut. Je suis dans la merde. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? Je pense qu'on va peut-être prendre... Est-ce qu'on a le droit à un journal intime? Oui, mais pour un journal intime, il faut un bureau, c'est vrai. C'est bien compliqué tout ça. Hein. Je me fatigue moi-même. Il peut passer. Alors la question c'est est-ce qu'ils savent passer? Comme ça ils savent passer, c'est sûr. Alors bébé veut dire occupation. Occuper bébé. Occuper bébé c'est ça. Voilà, ça c'est occuper bébé. Peut-être mettre une peluche. Est-ce qu'on a la place pour mettre une peluche? Moi je ne sais pas. Là on sait pas. Ils savent passer. Un chien? On peut pas. Un petit dalmatien. Un petit dalmatien. Un petit panda. Comment j'organise la venue d'un bébé, moi? Imaginaire. Il n'est pas encore là, le bébé, que je prépare des choses. Ça, je peux pas. Ça, je ne peux pas. Je sais ce que je peux et ce que je ne peux pas. Bah, c'est pas mal, hein, vu l'espace. Pipi. Dodo. Joujou. Je ne sais pas. Je pense qu'on va mettre... Où est-ce que j'ai vu ça, mon ami? Dina, où t'as vu ça? Elle a vu où ça, Dina? Elle sait pas. Je mettrais bien ça pour écrire, quand même. Pour maman. Denis, il a pas besoin de ça. Mais maman, peut-être que ça lui fera du bien. Ouh. Ah ah. Ouhou. Est-ce qu'on sait passer, ça? Ouais, s'ils savent pas passer, je... On va tester. Ça devient de plus en plus encombré et des bêtises ici. Alors,
On va pouvoir ouvrir. Le poisson, on va laisser à vue. On va plutôt mettre les pommes. Parce que l'hiver, on n'aura pas à manger. Et voilà. Ça, hop, les pommes. Ça, c'est pour notre hiver. Tu veux pas non plus. C'est ça qui t'embête. C'est les traits du terrain. Urps, on peut pas, on est malade. Au moins il remonte sa divertissement à fond lui. Oh là là, je sais pas attendre. 48, 47, 46. On va accélérer. On va accélérer. Pourquoi se prendre la tête? Mais pourquoi ça en faire? La poche connaît. Yeah yeah. Être le meilleur musicien du monde, hein. Mais c'est pas ça que tu es censé faire dans la vie. Oh les. Ouh les oreilles, oula. Oh, oh, oh. C'est horrible comme son. c'est très très horrible Denis, j'aime pas du tout. On va aller en bas. Est-ce qu'on l'entend en bas? Ouais, mais on l'entend moins. Il me semble. Bon, c'est à froid, tu te... On sait pas se réchauffer. Invité à traîner avec Pizzas, allez. Regarde, on a un feu. On a un feu, chérie. Regarde comme on va avoir chaud. Ça allait mieux comme ça. L'hiver passe. J'aimerais savoir quand est-ce qu'elle a couché, là. Parle à ta copine. On peut pas faire crac-crac. C'est triste, hein, c'est la vie. Je peux pas aller dans les cours parce que je peux pas sortir de chez moi déjà. Alors Denis, il doit faire pipi. Au moins il a bien dormi Denis, tu vois. Ou si c'était toi, j'irai faire vite pipi mon Denis. Et j'irai me laver les mains. Bon, je sais pas si t'auras assez de temps de faire tout ça. Oh, il a pété les toilettes Denis. Il a pété les toilettes. Ok, Denis part travailler. Oh, il a pété. On est dimanche. Penny. Penny, on peut réparer. Tu vas réparer, hein. Tu vas réparer, Penny. Hein. Alors toi, tu vas travailler dur. Mon petit Denis, je suis désolée, mais il faut vraiment qu'on avance. Non, non, ça c'est Penny. Ah, il a pas besoin de travailler dur en fait. Non, de travailler normal c'est suffisant. Sinon il va me faire une crise. Et tu répares et tu fais pipi. Ça c'est le deal. On est dimanche, on peut. Oh non, elle fait la dégueu. Oh, je vais la remplacer. Denis vient de conquérir le public lors d'un événement local lorsqu'un idiot en manque d'attention commence à interrompre et à l'interpeller. Il peut utiliser cela en faisant rire la foule aux dépens de monsieur. Je suis trop drôle, répond à sa cible par le silence. Moi, je pense qu'on va l'ignorer. Après une tentative de perturbation, va devenir remporte un franc succès avec ses sketchs. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Mais non, tu vas nettoyer, tu vas nettoyer. Et tu vas te nettoyer, c'est mieux. On a le droit de faire un bonhomme de neige, hein. Yes. Ah. Yips. Renzi. Journal de l'Apocalypse. Tremblement sur tremblement. Je n'arrête pas de sursauter. Fin. Mais Denis, t'as pas fini? Denis, il avait plus envie. Fitness, maintenant lui, voilà, Denis Apocalypse. Ah, c'est trop beau ça.
Ah, les factures viennent d'arriver, génial. Denis, il faut payer les factures. Faut payer les factures, Denis, et tout perdre notre argent. Parce que la mafia nous prend tout. Je n'ai pas su atteindre notre boîte aux lettres. Elle est quand même à vue, notre boîte aux lettres. Facteur difficile, va. Difficile ce facteur, moi je trouve. Alors, Denis, toute une histoire. Toi, tu vois pas ce que je fais, mais moi, je suis. En fait, c'est moi la mafia, regarde. Attends. Je suis la mafia. Testing sheets. Money. Hashtag ça fait mal. Testing cheat off, je crois. C'est bien. Voilà. Et toi t'es heureux mais tu n'as plus un rond dedans. De toute façon Denis s'en fout qu'il a pas d'argent. Qu'est-ce que ça peut lui faire de pas avoir d'argent? On va ranger ça par contre. Hygiène. J'ai peur de trop me laver. Non, attends, on va pas trop utiliser l'évier. C'est pas une bonne idée. Après, il va être pété. Bon, on en a encore un ici, mais chut. On va quand même faire attention. Tu vas dormir. Et toi, Penny? Qu'est-ce que tu fais? Allez, ici, faire ça. Va écrire dans ton journal. Ça t'occupera, tu vois. Moi, j'essaie de t'occuper, tu vois. Bah, il reste encore toute la semaine... Bon, on a plus que des pommes, quoi. Bon, tu pourras aller aux toilettes, peut-être, non? Bah non, ça va, les toilettes, ça, juste faim. Je sais pas. Bah, attends, là-bas. Tu veux que je te dise, moi? Dans une heure, on va venir te chercher. Enfin, dans 10 minutes. Alors, il faut que tu travailles dur, Denis, je te préviens. Il faut qu'on arrive au niveau 3, au niveau 4. Je sais même plus à quel niveau on est, moi, à force. Parce que tu dois vieillir dans 14 jours. Vas-y, Denis. Décroche-nous cette promotion. On a besoin de toi. Oh, il a pas fait... Oh non, il a pas fait... Oh non, Denis, il est tendu, mais il a pas eu sa promotion. Mange ta pomme, Denis. C'est la vie. C'est la vie. Veux-tu que je te dise? Non, mais toi, t'es casse-couille. Écrire des blagues et jouer, s'entraîner. Ok. Bah, on va s'entraîner. On n'a pas eu de promotion. Et on est triste parce qu'on travaille que dans 3 jours. 3 jours. On va jamais y arriver en fait. On va jamais y arriver. Ouf! Ouh, le travail a commencé. Le travail a commencé. Le travail, on panique pas. On est calme, on va avoir un gueulard supplémentaire. Est-ce qu'on est prêt? Non, pas du tout. C'est un garçon. On va mettre... J'hésite entre Dan... Ouais, Dan, c'est bon. On va mettre Dan. Voilà, ça sera Dan. Il y en a un deuxième? Non, ça a l'air pas. Bébé né. Oh, c'est mignon. Fais dodo, bébé de l'apocalypse. Fais dodo, t'auras une pomme. Baby shark. Tout doudou doudou, baby shark, doudou doudou, baby shark. Non, c'est pas ça la chanson, d'accord. Bah, elle a pas sommeillé. Attends. Par contre, elle peut écrire la naissance dans le journal intime. Premier bébé né de cette famille pendant l'apocalypse. Dan. Diron. Le bébé du miracle, de l'espoir. Du miracle, je sais pas, mais de l'espoir, oui. Parce que grâce à lui, peut-être qu'on va débloquer une carrière. Et ça fera du bien des restrictions à moins. Que va-t-il devenir? Qu'est-ce qu'il va faire de sa vie? Tout ça est compliqué. Tout repose sur ses petites épaules. On va se quitter sur la naissance de bébé Dan. Parce que c'est déjà pas mal. On n'a pas fort avancé dans le challenge. Mais on verra dans les prochains épisodes.
N'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut parce que ça encourage vraiment tous les créateurs que vous regardez, donc n'hésitez pas à en mettre. Et pour les petits comiques qui mettent des pouces rouges, enfin voilà, si vous avez un truc contre les gens, mettez-le en commentaire, c'est plus constructif. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait et si le contenu vous plaît, et activez la petite cloche pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à très bientôt, et surtout n'oubliez pas, il n'y a pas d'âge pour s'amuser.